le quintet de Louis Vierne qu'on va jouer demain soir ici. Un quintet qui date de 1917 du compositeur français qu'on connaît pas beaucoup pour sa musique de chambre, plus pour sa musique d'orgue. Mais c'est une œuvre qui est saisissante de dramaturgie, qui est extrêmement émotionnelle parce qu'il l'a écrit pour son fils qui est décédé à la guerre de 14-18. La belle saison, Antoine Manceau a un jour appelé et m'a dit « Est-ce que vous connaissez le quintet de Vierne ? Est-ce que ça vous plairait de le faire ?» Et l'occasion était qu'on se réunisse avec un jeune quatuor dont j'avais commencé à un peu entendre parler, le quatuor Elmire. Et j'ai trouvé ça très touchant que Antoine Manceau me propose de faire ça avec eux. Sur un quintet comme celui-ci, qui est quand même tragique, avoir l'expérience d'un homme et d'un musicien avec ce vécu-là nous permet de prendre des tempi, ouais. De ressentir des climats qui nous permettent d'interpréter beaucoup plus rapidement une œuvre comme celle-là qu'on l'aurait fait probablement seul. Non, c'est génial. Ouais.